partager ensemble ce cadeau d'anniversaire, le 30e anniversaire de la musique Kaneka, ici à Kanaky. Alors je vous invite, tout le public, dès que vous serez sous le préau, on va amener les gâteaux. Merci. Merci. Comment on va appeler notre musique? Comment on va s'appeler?
Voilà ce que j'ai retenu. Et du coup, tout le monde a approuvé, tout le monde a applaudi, et puis c'est parti comme ça. Kaneka. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu de ce moment-là. Mais je tiens encore à remercier la communauté de Norway, parce que l'appellation Kaneka est sortie d'ici. Et voilà, monsieur Arthur qui est là aussi. Mais en fait, vous avez aussi comme patrimoine culturel. Comme patrimoine culturel du pays, le Kaneka. Et ça, vous pouvez l'introduire, l'inclure dans votre manifestation ici sur Norway. Voilà mon témoignage. Merci. Dans ton podio, il a pratiquement résumé tout, il a tout dit parce que j'ai 58 ans maintenant et 47 ans dans la cité mélanésienne qui est située en bas à l'extrême sud du pays. Ton podio, il a tout raconté parce que dans cette petite cité mélanésienne qui a été créée dans les années 58, c'est nos vieux avant, ils n'ont pas organisé en parti politique, mais qu'il y avait deux structures pour l'église catholique Louis Callot et l'église protestante la ICLF, qui ont créé la cité mélanésienne, qui se retrouve à l'heure actuelle au centre de la ville de Nouméa. Donc dans cette cité, c'est tout le pays qui était rassemblé. On sait très bien chez nous autres que la manière d'entendre le pays que nous sommes, c'est à partir de la langue. Et la langue, c'est le chanter, le parler, chanter. Et ça, dans la ville de Nouméa, qui est arrivée il y a à peine 160 ans, il y a des pratiques qui sont millénaires. Notamment les langues que nous parlons. Et c'est dans ce contexte, avec tout en polio, tout ça, puis tout, la clique, tout ce que vous entendez maintenant, les Nixon et puis tout ça, les Camboire, les Casarero et les Joseph Chaillé, qu'on entend à la télé, à la radio. Et, mais seulement on n'entend pas parler de tout ça, là, et là on entend maintenant. Là. C'est une occasion qu'on a reçue dans la ville. Mais dans un contexte où le pays tout entier est réuni. Donc on avait tous les jours, on était dans la vibration du Angiaro, du Fouaï, du Némoné, de toutes ces langues. Donc c'est presque normal. Dans un contexte où la ville qui arrive, la ville c'est un phénomène qui ne touche pas simplement les Kanaks, mais qui touche le blanc, le riche, le pauvre et tout ça. Donc dans un contexte comme ça dans le nôtre, c'est trop parce que c'est bienvenu. C'est bienvenu parce que ça a animé en nous le sentiment que nous appartenons effectivement à une civilisation. Et que dans cette civilisation-là, on n'a pas les termes français pour signifier ce que nous sommes, notamment le terme coutume qui veut tout dire et rien dire de nous. Par contre, on avait ces autres sonorités-là. On avait, quand je voulais dire, j'avais Nyangen qui était là. J'avais Wawilou qui est le côté. J'avais Némoné qui est le côté. Encore, on allait jusqu'au Vanuatu avec Manikolo, tout ça. On allait jusqu'à Ouvermamao avec eux. Et c'est tout ça qui animait le fait que. Nous faisons partie d'une civilisation, nous n'avons pas les termes appropriés en ce moment-là pour nous définir. Parce que certains nous définissaient comme délinquants quand on exprimait cette culture ancestrale. Donc c'est dans ces contextes-là que j'ai plus ou moins, on a plus ou moins grandi. Et souvent, quand on parle de Kaneka, dans le quartier, on dit comme ça que c'est beaucoup plus ceux qui ont subi. Des nouvelles formes de colonisation, ce qu'on appelle l'urbanisme, qui ressentent le besoin de se rattacher à leurs racines.
Voilà. C'est un peu comme ça, pour définir en haut. On va parler de guitare, on va parler d'instruments, on va parler de vidéos, on va parler de...